Télécom, c'est un spécialiste de la distribution de solutions de sécurité pour les biens et les personnes, notamment dans le secteur santé. Donc on est spécialisé dans la distribution à des électriciens partenaires de solutions de contrôle d'accès, de vidéosurveillance, d'appels malades, de détection incendie, de communication fixe ou mobile, de Wi-Fi et de multimédia. Je suis heureux de vous accueillir effectivement dans nos locaux, nos nouveaux locaux, puisqu'on vient de les étendre récemment. Pour assurer le développement de la société, on a été obligé de prendre beaucoup plus grand. D'accord, parfait. Merci beaucoup Philippe de nous accueillir, justement d'être les premiers à venir installer nos caméras ici chez LVCOM. L'émission Les Rendez-vous économiques est composée de trois clés. La première, c'est évidemment la production de vidéos. La seconde, c'est la diffusion de ces vidéos sur des médias pour vous permettre d'être visible sur la toile. Et puis la troisième, c'est les rencontres professionnelles. Voilà les trois clés que nous proposons. Alors très spécialisé dans la santé parce que c'est mon métier d'origine, mais on œuvre aussi dans l'industrie et le tertiaire. Donc on distribue à des électriciens qui répondent à des appels d'offres plus ou moins importants. On leur assure donc la distribution de ces produits-là et qui sont accompagnés selon leurs compétences par nos experts techniques. Bonjour Madame Anton, Pierre de la société Télécom. Conseiller au téléphone concernant votre incident sur votre partie vidéo. J'ai fait le point avec mon technicien. On va pouvoir prévoir une intervention dès cet après-midi à partir de 14h. Les projets de l'entreprise, c'est de se staffer parce qu'effectivement, on a grossi rapidement. On est plus de 40 maintenant et on a de plus en plus de demandes avec ces nouvelles technos. Donc là, c'est vraiment... Aujourd'hui, on est à la recherche de compétences techniques notamment. Pour assurer notre développement. Ça fait 15 ans que je suis chez LVCOM, j'ai commencé au commerce et donc j'ai suivi des projets. Et là, j'ai une activité un petit peu plus transverse, donc gestion de grands comptes et gestion aussi de la partie marketing et communication. On est dans un secteur santé, donc on se rend compte que le contact humain est vraiment très très important pour répondre au mieux aux attentes des clients, pour bien les conseiller, suivre les installateurs, les accompagner au mieux aussi. Et donc cet accompagnement, on le retrouve au quotidien et on essaye aussi au sein de l'équipe. Donc voilà, il y a des gros sujets. Et pour répondre à ces demandes, effectivement, il faut assurer un recrutement qui se fait dans la durée, puisque la formation est longue. Et le meilleur référencement de mon site, et j'ai forcément une superviseuse. Moi, je suis très sensible à tout ce qui est la discrimination. Notamment, on entend beaucoup parler des différences de salaire entre les hommes et les femmes. Et nous avons décidé de mettre à disposition du monde civil les outils des armées. Gérer les énergies, voir si les batteries sont toujours aptes à prendre le relais en cas de coupure.